that stream, talking nervously. We close, it won't be long now. You made me write this song, yeah. We safe but don't know how. We far away from town. We talk until we can't no more. You know I like I found you for track of the time now. Salut à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui, nouvelle journée, comme je vous en ai parlé hier, on est au musée du vin de Picot, dans un cadre juste magnifique. L'entrée du coup, c'est 2 euros par personne, donc c'est relativement correct. Donc on a des explications sur l'apparition du vin à Picot, comment ça a été... comment ça s'est amené, comment ils ont fait pour installer les vignes malgré le fait qu'il y avait beaucoup de la lave qui avait séché, qui était ici, l'exportation qui se faisait surtout via l'île de Fayal, qui exportait du coup principalement régionalement et ensuite internationalement, les problèmes qu'ils ont rencontrés suite aux maladies, le vin qu'ils ont exporté, importé, enfin bref, c'est hyper intéressant. Du coup, il y a plein de choses à savoir. Et ensuite, du coup, on a un paysage juste magnifique. On a vu sur Fayal, on a vu sur le paysage, le petit muret que vous voyez ici. Et derrière nous, on a plein de dragonniers. Donc, ce sont des arbres qu'on retrouve un petit peu partout, notamment aux îles Canaries aussi. On en retrouve à Madère, tout ça. Et ici, il y a une concentration assez importante, une des plus importantes je crois des Açores. Et il y en a un très très gros juste derrière qui doit être très 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 ancien, que je vous montrerai après. En tout cas, ça a l'air très sympa, ça a l'air très très grand. Donc on va visiter ça, je vous ferai des petites vidéos par la suite. Et c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc tout ce que vous voyez ici, donc ce qui représente du coup les Kouraïch, ça s'appelle Kouraïch. Donc c'est un paysage emblématique de Picot, il y en a partout et c'est classé du coup au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut retrouver du coup que c'est toujours entouré de murs comme ça, donc de pierres hein, comme ça, qui fait environ 2 mètres de haut. Et ensuite voilà, c'est ce paysage là qu'on a au milieu et les vignes en général sont implantées au milieu. Faut savoir aussi que du coup le paysage des vignes de Picot, ça occupe environ une superficie supérieure à 100 km². C'est assez imposant et c'est fait que en pierre comme ça, d'où le fait que ce soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est assez unique. Et là juste la vue elle est incroyable. Donc, ces paysages que vous voyez ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004. Et là on est au Criassien Vélio. Donc le moulin sur lequel je suis fait partie des paysages hyper connus de l'île de Picot. Et effectivement sur Google Maps on le voit, c'est indiqué Moinho dans les cultures. Et c'est vrai que du coup le panorama, comme vous pouvez le voir, il est juste trop trop beau, rouge hein, comme la plupart des maisons ici, et fait en pierre en bas. Et là c'est l'île de Fayal avec ses paysages trop beaux. We'll be right back.
alors du coup on se trouve à l'Ajège do Pico, donc c'est une île qui est importante, je vous en ai parlé du coup hier, notamment pour les excursions pour voir des baleines. Donc on a réservé une excursion donc pour demain à 9h. Donc en ce moment c'est vrai que tout ce qui est vraiment grosse baleine c'est plutôt au printemps. Et en ce moment c'est plutôt voilà, tout ce qui est petits dauphins, mais ça c'est tout au long de l'année, ou les cachalots. Et on a peut-être une chance de voir des cachalots, donc j'espère qu'on va voir ça, ça va être trop bien. Ça dure 3 heures, donc je pense que ça va être assez cool. L'Ajège do Pico, sinon il n'y a pas grand chose à faire. Après c'est hyper choupi parce qu'on a vu sur Pico, il y a un petit moulin, il y a plein de petits moulins un peu partout, donc c'est sympa. Il y a aussi des piscines naturelles, mais ça il y en a vraiment partout. Et à côté du coup il y a des toilettes et une douche, c'est hyper propre, on dirait une vraie salle de bain. Ça sent bon, c'est propre, c'est important de le mentionner parce que comme je vous ai dit, savoir qu'il y a des toilettes c'est cool. Et surtout quand ils sont bien aménagés, que ça sent bon, que c'est propre et qu'on sait qu'on peut se laver sans souci, c'est top. Du coup là on va continuer notre petite périple en essayant de voir des petits miradors, et puis on va essayer aussi de faire la pointe de l'île. Je pense qu'on va avoir grave le temps là comme il est 15h30, et retourner tranquillement à notre hébergement. Et demain on essaiera de voir si on peut pas faire les lacs après du coup l'excursion, donc l'après-midi, en espérant qu'il fasse beau parce que là le Pico il est couvert de nuages là ce matin, heureusement il était dégagé hein. Mais bon, on verra ça, et je vous ferai des petites vidéos hein, tout pareil. Et puis voilà, je vous laisse profiter de la vue et nous on se retrouve après. Je sais pas si on verra Tercera sur la vidéo, mais c'est là quoi. Et du coup c'est le Miradouro da Terra Alta, et on voit tout l'île de São Jorge.